perfection. Le voici. Des lâchers d'une exceptionnelle difficulté et originalité. Le Slovène Pegan, de son prénom Aljaz. Il avait obtenu aussi la meilleure note du concours des qualifications. La Slovénie, qui est meilleure maintenant que la République tchèque. Alors attention, changement de phase direct. Accélération pour un premier lâché. Gaylord demi-tour, quelle amplitude! Qu'est-ce que c'est beau, Katchev. Il enchaîne avec le soleil. Attention, on se replace, encore un autre lâché, encore un Katchev qui va être enchaîné. Il a manqué son exercice. Il devait enchaîner avec un autre lâché. Les juges l'auront peut-être pas tout à fait remarqué, mais ça m'étonnerait puisqu'ils connaissent son mouvement eux aussi par cœur. Ah, petite baisse de rythme sur ça, la fin, c'est comme dommage. Un patineur qui ne met pas le triple arrière. C'est pareil. Aïe, quel dommage pour Pegan. Pegan. Il est déçu, peut-être que les spectateurs ou les téléspectateurs n'ont pas remarqué, eux, qu'il avait manqué son enchaînement. Quand on dit manqué, c'est manqué par rapport à la combinaison qu'il avait choisi de présenter pour gagner une médaille d'or véritablement à ce championnat. Alors ce qu'il faut dire, et ce que les téléspectateurs ignorent, c'est qu'il ne faut pas avoir trop de mémoire à la barre fixe. Ah ça c'est sûr, une perte de figure. Une perte de figure dans l'instant, elle peut contrarier le mouvement. Et là nous avons senti qu'il y avait une hésitation. Voilà, là il devait faire un autre lâcher. Oui, très bien vu. Et c'est vrai qu'avec ce quatrième lâcher qu'il aurait exécuté, il était pratiquement assuré du titre mondial. Et oui, absolument. Et voyez que son visage reflète sans aucun doute. Alors les juges vont calculer. Alors il y a un juge de Hong Kong, il y a un Chinois. Et je me demande s'il n'y a pas un juge anglais. Il y a un Russe, il y a un Portoricain, un Canadien et un Néerlandais. Voilà, néo-zélandais. Alors on peut considérer que les Chinois, les Japonais, le Russe, tout ça, ça fait du monde. Ça fait une petite coalition, c'est pour ça que je vous dis... Ah, je suis triste pour lui. Ouais. Il devait faire normalement, comme lâcher, enchaîner, une pirouette complète autour de la barre avec une reprise directe sur une combinaison d'un bras qui aurait donné énormément de valeur à son enchaînement. Voyez, 5e place, 9,275 seulement. Ah là, les gens sont pas contents parce qu'ils n'ont pas compris. Eh oui.